What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, unboxing du colis MyProtein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo unboxing. Mais là, il y a de la nouveauté et j'ai hâte de te montrer ça. Par contre, je suis désolé, je crois que je parle un peu du nez. Je suis KO, j'ai mal à la tête. Parce que, en fait, depuis que je m'entraîne dans une salle privée à Lyon et je prends les transports en commun à chaque fois que j'y vais, et ben, je suis exposé de plus en plus à des gens malades, tu vois. Et mon corps, il n'est pas habitué à ça avant à Paris. Ça va, j'étais habitué tous les jours. Transport et tout, ça va. Mais là, mon corps, il a dit non, 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 non. Toi, t'as plus de défense immunitaire, on va te mettre à l'épreuve. Du coup, là, je suis KO, là. Bon, sans plus attendre, aujourd'hui, on a un tuteur. Parce que je l'ai trouvé, sinon, on prend le couteau de boucher. Le colis, tranquillement. Il est arrivé 2 jours en avance, le colis. C'est une dinguerie. Comment ils sont rapides avec moi. Je vais mettre ça à côté et je te présente les produits. Déjà, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. D'habitude, j'en ai plein, mais là, j'en ai juste deux. Des choses inutiles. Premier truc, on a un t-shirt. C'est quoi ça? C'est un t-shirt? Ah non, je crois que j'ai un t-shirt manche courte et un t-shirt manche longue. C'est des t-shirts avec le nouveau logo de MyProtein. J'en ai déjà porté dans une de mes vidéos. Je te mettrai un exemple. Franchement, c'est des bons hauts. C'est des hauts où t'es balèze dedans. En fait, c'est des hauts qui vont bien, qui vont bien et qui sont faits pour ceux qui ont des choses à prouver en muscu. Donc, c'est important. Moi, j'aime beaucoup ces hauts-là. Ensuite, un galon. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps qu'il m'en fallait un parce que mes galons sont restés dans mon ancienne chambre, sans réparer. Et ça là, oh là là, enfin un galon, nouveau logo MyProtein. C'est lourd, on va pouvoir le remplir d'eau et faire ça bien. Par contre, j'espère qu'ils ont amélioré leur fermeture. Parce que le trou que j'avais, ça s'ouvrait parfois et quand ça là, ça s'ouvre dans le sac, c'est terminé. Hein. C'est terminé, ça noie tes affaires. Donc, c'est bien. Et même pour ici, hein, ça va me servir à boire beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça fait longtemps. L'ashwagandha. Je mets ça bien devant ma tête pour pas qu'on voit au focus. Voilà, l'ashwagandha, très important. Augmenter sa testo au max naturellement, tu vois. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Bon, ça a d'autres bienfaits. J'ai fait des vidéos. Tu peux aller voir. Mais ça, c'est bien. J'en prends tous les 2-3 mois environ. Là, il y a 70 mises. C'est quoi? C'est 2 par jour. Donc, ouais, c'est 1 mois. Donc, j'en reprendrai en octobre si tout va bien. Ensuite, on a un complément que je voulais tester. Hydrate. Mélange d'électrolytes, vitamines, pas mal. Pour être bien hydraté, c'est important. Sachant que de base, c'est plus madame qui voulait tester ça. Donc, je sais pas ça pour elle. Moi, je vais tester aussi. Et on se fera un retour pour savoir si c'est lourd ou pas. On poursuit avec un autre produit. Après, c'est que des nouveautés. Ceci, c'est une nouveauté, ça. BCA Energy Drink. Alors. Moi, j'ai dit Energy Drink, mais. Et une boisson énergisante, hein. C'est canette de BCA. C'est lourd, c'est pas mal. On va voir. C'est chez Ricola. Ils en avaient déjà fait à l'ancienne. Mais la canette était plus grosse, c'était le même goût, c'était pas mal. Franchement, ça dépend de ça. Quand tu peux te permettre d'acheter ça, tu vois, tu mets ça au frais tranquillement, tu vas à la salle, tu sens qu'il te manque un peu d'énergie, tu sens que c'est compliqué. Tu prends ça directement et t'es bien. C'est des boissons prêtes à l'emploi et franchement, c'est cool. Si t'as un peu la flemme de faire les shakers, ça peut être cool. Ça, j'ai juste pris pour la nostalgie et pour tester un peu parce qu'il me semble que ces boissons-là, je les avais pris quand je venais d'être ambassadeur MyProtein, si je me trompe pas. Donc voilà, ça me rend nostalgique. Ensuite, on va passer à la nouveauté parce que c'est important. C'est important, il n'y a que de nouveaux produits là. On commence. C'est quoi? C'est le pré-workout. On commence avec ça.
Pré-workout, gel, MyProtein, collaboration avec Aerox. MyProtein, on fait une collab avec Aerox, ok? Aerox, pour moi, c'est les vraies compétitions de musculation. Quand je dis vraies compétitions, dans le sens où c'est des compétitions plus basées sur l'endurance cardio, un peu de force et tout, mais c'est des compétitions où on va plus s'attarder sur tes performances physiques que l'apparence de ton physique comme le bodybuilding. Pour moi, c'est ça les vraies compétitions. C'est ça les vraies compètes, clairement. Donc, dans ce power workout gel, 250 g de caféine, 1,5 g de citrulline malate et 1,5 g de bétalanine. Ça va faire du bien. Je pense que la congestion que tu as avec ça va être incroyable. Ensuite, Energy Gel Aerox. Energy Gel. Tu me connais, tu sais que je kiffe les Energy Gel. Là, là. On a un Energy Gel de MyProtein avec Aerox. Ça a quoi? Raspberry limonade. Je sais plus ce que c'est raspberry. Je crois que c'est framboise, je crois. Raspberry limonade. Pré-workout, il a quoi? Green apple. Ok. Soit il va être un peu acide. À la pomme verte. Et ouais, bah j'ai hâte de tester ça. Hein. Franchement, j'ai hâte. Pareil, hein, Energy Gel. J'ai fait beaucoup de vidéos, regarde tous mes bulk days. Les débuts, j'en prends à chaque fois au milieu de séance. Dès que je suis un peu KO, allez hop, Energy Gel et on repart. Ensuite, électrolytes, MyProtein avec Aerox toujours. Électrolytes, en fait, si tu veux, c'est un peu comme un dérivé du Energy Gel. Hein. C'est un truc que tu vas prendre dans ton shaker directement. Tu peux boire pendant ta séance. Si tu sens que tu as un coup de mou, si tu as besoin de recharge. Ça là, c'est important. Ensuite, hop. Encore un produit MyProtein avec Aerox. The Electro Fuel. Alors ça, honnêtement, je sais pas comment le prendre. Je vais voir ça. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais il me semble que c'est. C'est un peu comme ça, hein. C'est un peu comme celui-là. C'est à mélanger dans un shaker. Tu prends ça et ça va faire office de récupération dans ta séance. Vu ce qu'il y a dedans, tu vois, carbs ratio, sodium, ouais, ça va prendre au milieu de ta séance aussi. Et le dernier produit, MyProtein avec Aerox, The Reconvery. On voit bien le produit. The Reconvery, bah, comme son nom l'indique. À prendre après la séance tranquillement, tu as 20 grammes de protéines, des électrolytes, des carbs. Tu prends ça après ta séance, tu fais une séance de fou, tu prends ça et t'es bien. Maintenant, tu peux te dire à qui s'adresse cette gamme MyProtein avec Aerox. Pour moi, avec les composants qu'il y a à l'intérieur, ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui veulent faire du Aerox. Parce que déjà, de 1, c'est pas rentable, et de 2, ça sert à rien de faire. Un complément alimentaire par discipline, ça veut dire qu'il y aura des compléments spécial body, des compléments spécial crossfit, des. Non, tu vois, c'est juste une collab, Aerox, MyProtein. Mais pour moi, ces produits, c'est pour les personnes qui sont en prépa physique, concrètement. C'est pour les personnes qui veulent vraiment s'arracher dans les séances, qui veulent bosser le cardio, qui veulent ou qui font du sport de haut niveau. Voilà, t'es en prépa, tu fais des grosses séances cardio, tu vas faire de la soba avec du skieur, des trucs comme ça, tu vas te préparer, tu vas taper vraiment dans le cœur. Et ben, tu auras toutes ces boissons, ces dérivés-là qui vont te faire du bien pendant ta séance. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de produits à prendre pendant la séance. Tu vois, c'est pas avant la séance, c'est pas après. Bon, après, tu as le Reconvery qui est bien, mais le pendant la séance, tu as ça, The Electro Fuel. T'as The Electro et t'as le Energy Gel, tu vois. T'as trois produits que tu prends pendant ta séance. Ça, c'est vraiment, tu fais une séance longue, tu fais une séance cardio, tu t'arraches, tu sais que, hop, tu auras des choses qui vont te permettre de continuer à faire une bonne séance. Sinon, le pré-workout et le Reconvery, pré-workout à prendre avant la séance, Reconvery à prendre après la séance. Ça veut dire que si tu prends tout ça, concrètement, là, tu auras toutes les armes en main pour faire une bonne. Très bonne prépa physique, tout en conservant un maximum d'énergie. Bien entendu, tu peux faire une prépa physique sans complément alimentaire, mais les compléments vont t'aider. C'est pas du miracle, c'est pas un truc de fou, mais ça va t'aider. Ok, ça va t'aider à atteindre le meilleur de toi-même et préserver ta fatigue. Ok, et aller chercher le meilleur niveau de toi-même, les meilleures performances que tu peux donner dans tes prépas. Ça, c'est bien.
Moi, si j'ai pris ces produits-là, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, tu le sais, je suis en mode entraînement hybride. Je suis dans des entraînements où je me prépare, je fais les choses bien, j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai beaucoup de choses à aller chercher. Aussi, je compte reprendre le football américain si tout va bien. Si toutes les conditions sont réunies, comme je t'ai dit dans un de mes vlogs, je t'invite à aller le voir. Et parce que je vais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos, je vais faire des grosses vidéos pub. Je reste un ambassadeur MyProtein. Donc voilà, c'est une nouveauté qui m'intéresse. Parce qu'il y a eu plein de nouveautés que voilà, j'ai rien fait dessus. Mais là, c'est un truc qui m'intéresse, un produit qui me convient. C'est un produit qui va correspondre aussi aux personnes que je suis en programme sportif. Parce que voilà, je suis pas mal de personnes qui vont faire du sport à haut niveau ou qui veulent se préparer pour être efficaces dans leur sport. Du coup, ces produits-là, je dois les tester avant de leur proposer, avant de leur dire c'est bien ou pas, ou leur dire prends juste des BCA, des EA, c'est largement suffisant. Donc je dois tester ça avant. Je dois tester, voir si c'est bien ou pas, pour leur proposer plus tard. C'est important. Ce qui est bien, c'est que tous les compléments à base de glucides, électrolytes, j'en ai pas énormément testé, mis à part le Energy Gel. Donc ça va me permettre de tester, essayer, voir si c'est bon ou pas. Et même quand je conseille des compléments, quand on me demande des compléments, je pourrais dire si c'est bien ou pas. Peu importe si c'est MyProtein ou une autre marque, tu vois, ça reste des glucides, électrolytes, ça a le même effet. Donc voilà. Là, ce qui est bien, c'est que collaboration avec Aerox. Aerox, c'est pas n'importe quoi, c'est une grosse compétition. Donc c'est quand même un gage, on va dire, de confiance et de qualité. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu kiffer cet unboxing. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.